Bien, deuxième partie. Alors, voyons voir, messieurs, dames, bonjour. Le monsieur... Ah, il est là. Il est transparent. Kandrian. Kandrian. Ok, bah nous voyons un... Nous voyons pas, plutôt. Un homme affable dont le regard doux se perd dans le lointain. Il porte des vêtements de cuir souple et arbore sur sa personne des armes et des outils tels que cordes, pointes, briquets à silex et flacons d'air vide. Il a l'air à moitié absent. Au sens propre. Ouais. Il paraît manquer de substance, comme privé d'une partie de sa substance. Alors, il pose sur nous son étrange regard, qui nous semble soudain fascinant, peut-être, et des plus déterminés. Bonjour à toi, qui cherche des réponses. Bonjour. Il pose avec soin la chope qu'il tenait et nous accorde son entière attention. J'ai vu les confins du multivers et j'en suis revenu. J'ai arpenté des cadavres de dieux morts et tissé des rayons de lune dans l'astral. Poursuivi parmi les chevaliers Xiangkis, hurlant de colère. J'ai franchi les limites de l'existence et vu ma substance se racornir sous mes yeux. Que puis-je pour toi? J'ai des questions à te poser. J'ai peut-être les réponses que tu cherches. Parle, je te dirai. J'ai rencontré une ingresse, une femme aux très mauvaises dents. Elle m'a dit qu'elle était arrivée d'un autre monde par un portail que l'on ouvre en chantonnant un air de musique et qui se trouve près de deux arbres en croix. Est-ce que tu peux la ramener chez elle? Il s'accorde un temps de réflexion. Je connais le portail dont tu parles, même si je ne l'ai pas franchi depuis 30 ans. Je la ramènerai chez elle. Va lui dire d'attendre ma venue, puis retrouve-moi ici, et je te dirai si j'ai réussi ou non. Merci. Au revoir. Eh bien, dans ce cas, nous allons voir Ingress. Voilà, tac tac tac. Thank you.
écharpe de coup. Peu d'expérience. Alors, ah, il a des pardon, il peut copier des sorts là. Ça c'est une fiole de soins. Et ça c'est particulier. Alors, il a des choses à vendre. Charme de caillou. Ah oui, merde. Objet plein. Le journal est bien. J'ai bien envie de le garder. Ok. On va peut-être vendre des trucs. Ça, normalement, c'est quartier commerçant. Le haut passage. Oh, on a tout visité l'extérieur. Sud-ouest, nord-ouest. Ah, de nouveau. Thank you.
Faut trouver une graisse. Ah, voilà. Une seconde. Ah, c'est tiré. Je vais baisser le son. Bouge pas. Hop. Ok, on aperçoit une graisse. Elle est recroquevillée dans ses loques et ses dents claquent. Elle jette des coups d'œil furtifs autour d'elle, comme si elle s'attendait à être attaquée à tout moment. Bonjour, une graisse. Hé, toi! Elle te regarde en plissant les yeux. Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? Tu veux que je parte? Je quitterai pas cette cité, je peux pas. J'ai essayé, c'est pas une cité, c'est une prison partout. Ah, Ingress, j'ai trouvé quelqu'un qui peut te ramener sur ton plan natal. Ingress, c'était. Je veux partir! Je veux partir! Ah, d'ici, il faut pas gueuler. Il s'appelle Kandrian. Il ne devrait pas tarder à arriver. Fais-lui confiance, d'accord? Ingress se tait, en inquiétant simplement ses dents claquant dans sa bouche. Je retournerai voir Kandrian au bar du cadavre fumant pour m'assurer que tout s'est bien passé. Sois forte, Ingress. Eh ben voilà. Voilà. Accompli. Alors, à signer. Pas encore. Trouver le moyen d'aider Ingress. Ah ouais, il faut valider. Journal. Ok, jour 3. J'ai parlé d'Ingress trouvé au cadavre fumant. J'ai prévenu Ingress que Kadrian la ramènerait chez elle. Je vais retrouver Kadrian au cadavre fumant pour m'assurer que tout s'est bien passé. Ok, bah, let's go. Hop.